C'est avec un plaisir incroyable qu'elle a retrouvé la sensation des planches. Après des mois de disette artistique, classe égale à HRL, Magali Vaille a pu partir à la rencontre de son public, à nouveau, puisqu'elle se produit sur la scène de certains campings du sud de la France cet été. Elle sera prochainement, également, à l'affiche du film Ne m'oublie pas, de Mathieu Grillon, dont la sortie est prévue pour 2022. Quelle aubaine pour la chanteuse et comédienne qui, pendant de longs mois, a craint la banqueroute. Alors que la France était confinée, Magali Vaille a bien tenté d'organiser quelques lives musicaux sur les réseaux sociaux. Mais la vérité, c'est qu'elle a davantage fait la maîtresse à domicile pour sa fille Elia et que la créativité s'est amenuisée au fil des jours. Heureusement, aujourd'hui, la Gonessienne est libre et bénéficie d'un coup de pouce de la part de son nouveau chéri. Car oui, elle a trouvé l'amour. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais c'est une personne qui restera dans l'ombre, explique-t-elle dans le magazine France Dimanche. J'ai besoin de ce cocon intime et je sais, par expérience, qu'être avec quelqu'un de médiatisé, ce n'est pas facile. Je veux le protéger parce qu'il n'est pas tombé amoureux de Magali Vaille mais de Magali tout court. Je pense être tombé sur la bonne personne, le beau-père idéal pour ma fille. Pourvu que ça dure, je profite de chaque bon moment. Guillaumet. Il est vrai que cette relation, bien que très discrète, n'était plus un secret. Invité sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui, et interrogé à propos de sa vie sentimentale, Magali Vaille s'était contentée de confirmer qu'elle avait bel et bien un amoureux. Alors qu'elle parlait à Purepeuple de son confinement, en mars 2020, celle qui vit dans le Loir-et-Cher depuis 10 ans avait affirmé qu'elle avait hâte de pouvoir ressortir et croiser certains visages. Il y a énormément de gens que j'ai envie de revoir quand je sortirai. Forcément. Admettait-elle. J'ai envie de voir mon chéri, mes deux amis les plus proches. Ce sont les trois personnes que j'avais l'habitude de voir très régulièrement et qui me manquent énormément. Point. On dirait bien que cette histoire, donc, s'installe durablement dans le temps. Retrouvez l'interview de Magali Vaille dans le magazine France Dimanche, numéro 3909 du 30 juillet 2021.